Devenir influenceur, ce n'est plus un rêve inatteignable. Ambaza est la première école d'influenceurs française. L'objectif pour chaque élève est d'obtenir 20 000 followers Instagram et de générer plus de 5 000 euros par mois. Mais j'en peux plus de ce monde! Quand t'es con au point d'avoir besoin d'une formation pour mettre un code promo, c'est pas d'une école d'influenceurs dont t'as besoin, c'est d'une école tout court. Non mais sans déconner, les cours ils vont ressembler à quoi? Alors les jeunes, sortez vos téléphones! Aujourd'hui on va apprendre à poster des photos de son boule sur Instagram. Première astuce les jeunes, la photo on la fait devant un miroir, comme ça le follower, il a le recto verso sur la même image. Très bien Maëva. Legging couleur chair, duckface et pattes de chameau. Prenez exemple sur Maëva, elle a tout compris. Et en arrière-plan sur la photo les jeunes, on est malin, on laisse traîner son womanizer. Ça augmente le nombre de commentaires et on remonte dans l'algorithme. Ah mais je suis choqué de ce monde. Et attention, moi j'ai rien contre les influenceurs. À la base, c'est un métier comme un autre. À partir du moment où tu possèdes des compétences dans un domaine, c'est légitime d'être rémunéré pour tes conseils. Si Federer il me dit avec cette raquette, tu vas faire des services comme t'as jamais fait, on peut lui faire confiance. Et si Nabila elle te dit avec ce couteau tu peux couper n'importe quoi, on peut lui faire confiance. Et le problème c'est qu'avec votre école vous voulez influencer des gens avant d'être expert en quoi que ce soit. Pour la maudite somme de 1200 euros. Bon bah je bosse pas à la répression des fraudes, mais j'ai l'impression qu'on est pas loin d'une arnaque.